Bonjour à tous, c'est Benzito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite ouverture de trois petits paquets. Enfin, tout est petit chez moi, vous le savez bien. Donc des paquets, on est sur du Pro 7 de 1991. Des paquets qui sont pas du sport, même si on est chez Pro 7. Ceci, on va ouvrir ces trois petits paquets-là. Donc on est sur du Superstar. Music Cars, donc on est sur des chanteurs, essentiellement chanteurs des groupes, hein, voilà, ce genre de personnages. Et donc on va avoir pas mal de belles photos de concerts, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le paquet? Ils nous disent, voilà, on peut avoir des stars du coup, ce rock, de pop ou de rap également. Donc on a pas mal de choses, on a... Ce sont des paquets en plastique. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de paquets en plastique comme ça. Là, c'est vraiment l'impression d'avoir des sacs de course, vous voyez, donc ce genre de plastique là. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, il y a 10 cartes par paquet. Donc, on est sur des photocards. Hein. Donc, on est sur. Il n'y aura pas de montage normalement, c'est juste de la photo. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Ça s'ouvre bien. Ça a beau être du plastique, ça s'ouvre bien. Donc on est en 1991, commence à dater un petit peu. Alors, on commence avec Belinda Carlisle, donc Superstar. Donc on retrouve ici le Pro 7 Superstar Music Cars en haut. Le style, hein, on est très années 90, hein, avec les découpes colorées voilà, sur les côtés. Et donc au niveau de l'arrière de la carte... Quelques autres informations sur le chanteur ou la chanteuse en l'occurrence pour ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a des gens connus ou pas? Alana Miles. Alors moi, je suis pas très mélomane, donc niveau musique, c'est pas mon fort. On verra si je reconnais des groupes ou pas. Savatage, Hunters Collectors. MC Hammer, donc on est sur du rap, lui je le connais. Janet Jackson. Photo un petit peu floue. Ouais. C'est marrant, elle est un peu abîmée. Je sais pas si vous voyez si le reflet là, vous voyez ici. Ouais, ici, on voit bien là, sur la lumière, ici. Elle est abîmée, pourtant elle n'était pas collée à l'autre. Hein, classique, hein, des 90, hein. Carte collée, on connaît. George Michael plutôt. Bonnie Raitt, Sting. Faites des cartes sympas pour du TTM, hein, typiquement. Si vous avez envie de faire du TTM sur des stars de la chanson, ça peut être une bonne occasion de faire. Alors là, c'est de la publicité et celle-ci. Pareil, genre de publicité. Voilà pour le premier paquet. On continue à ouvrir ces paquets. Donc sur les artistes, publicité. Une carte légende. Vous voyez, elle est des couleurs un peu différentes de l'autre. Carte légende. Donc on est sur Led Zeppelin. Donc il y a un petit mot ici pour dire que c'est une carte légende. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement... Soit un parallèle, soit un insert. Moi, ce serait un insert pour moi. Ensuite, on a I'll Be Sure, The Pretenders, Eric and Alice. Ça va être du hard rock, ça. Là aussi, d'ailleurs. Law and Order. C'est sûr qu'il y a des fans de hard rock qui regardent ces vidéos. De la Soul. Bullet Boys, ça fait flipper les looks des années 80-90 hein, quand même. Little Feat, The Alarm, Biz Markie et la publicité. Allez, le dernier paquet. Donc ces cartes seront disponibles hein, si jamais certains d'entre vous ont envie d'obtenir ces cartes, n'hésitez pas à me contacter.
car je ne fais pas la collection. On a une carte légende de The Who. Living Color. Hanoi Rock. The Pretender, mais c'est pas la même photo que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cartes par chanteur ou par groupe. Boogie Down Productions. Janet Jackson, celle-ci par contre, c'est un double et enfin elle n'est pas abîmée. The Go-Go's. Bonnie Raitt. C'est pas un double, hein. Je crois que c'était pas la même photo tout à l'heure. The Clash. The Party. Et ensuite, la pub. Voilà les amis, pour cette ouverture. Donc, ça nous fait pas mal de petites cartes de stars. Donc, les paquets, donc les Pro 7 Superstar de 1991. Un paquet qu'on peut retrouver assez facilement, hein, même sur eBay, si vous en cherchez. Et en tout cas, voilà, ce sont des cartes qui se prêtent bien au TTM. Donc, si vous avez envie de tenter, ça peut être un achat sympa. En tout cas, si vous aimez la musique, c'est très sympa à ouvrir. Et vous pouvez avoir une belle collection de stars que vous avez aimées étant jeune, ou que vous aimez peut-être encore pour ceux qui sont toujours là. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut !